La tournée de M. Pokora, CEST Party. Le 10 juin 2023, l'artiste a donné le coup d'envoi du Épicentre Tour à Paris. Dans le public, de nombreux amis du chanteur mais aussi sa femme Christina Milian et leur fils Isaiah, qui ont eu droit à une magnifique surprise. Matt Pokora a lancé sa grande tournée Épicentre Tour à Paris La Défense Arena le 10 juin 2023. L'artiste français célèbre ainsi ses 20 ans de carrière avec un show et une scénographie techno-futuriste et des effets spéciaux impressionnants. Dans la salle, de nombreuses personnalités étaient présentes comme le rappeur Oli qui a plaisanté en story sur le nombre de personnes dans la salle, 30 000 personnes plus Tony Parker. D'ailleurs, la compagne de TP, Alizé Lim était aussi présente. Cyril Gane, Chin, Khadija Touré, Chris Marc et Jade Lagardère étaient également là, tous subjugués par le show de l'artiste. Le feu ce soir 20 ans de carrière, a d'ailleurs commenté l'épouse d'Arnaud Lagardère. Bravo mon ref, ça nous rajeunit pas à plaisanter Vita, rien que de rentrer dans cette salle bondée les frissons. Ce qu'on vit là, a ajouté Caroline Costa alors qu'Ine Van Damme a félicité le chanteur. Mais s'il y en a bien une qui n'a pas raté une miette du spectacle CEST, bien sûr Christina Milian, la femme de M. Pokora, qui était venu pour l'occasion avec leur aîné Isaiah, né le 20 janvier 2020. Le couple est également parent du petit Kenan né le 24 avril 2021. Bien sûr, le garçonnet était équipé d'un casque afin de protéger ses oreilles. Aux premières loges, Christina Milian et son fils étaient totalement fans du show. Isaiah est en extase, a raconté la chanteuse et actrice américaine. Comment diable apprend-il ses danses si vite et comment est-il beau? A-t-elle ajouté. Elle a ensuite loué la musculature de son mari, dont elle semble toujours aussi folle, l'artiste révélé dans Popstar passe une partie du show torse nu. Au lendemain du concert, Christina Milian a publié une série d'images sur sa page Instagram, dévoilant le coulisses du show. Clou du spectacle, M. Pokora a rendu hommage à son épouse et à ses fils lors du show en dévoilant d'attendrissants dessins de leur famille. Forcément, la surprise la plus mignonne pour la maman de Violet qui était très touchée par ce moment. Privilégié, l'interprète du titre When You Look At Me s'est ensuite faufilé pour profiter de rafraîchissement. La suite est cool, mais nous partons pour voir de plus près les boissons gratuites, a-t-elle expliqué. Après tout avec ces fortes chaleurs, il est important de bien s'hydrater, n'est-ce pas ?